Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Roblox, donc sur Mad City. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans Mad City? On va tout simplement vous montrer comment avoir un jetpack. Donc je suis encore toute seule pour cette vidéo, j'espère qu'il nous reviendra vite et en forme. Mais voilà, sachez que je maintiens le rythme d'une vidéo par jour, minimum. Donc on va se mettre en prisonnier, c'est parti. Donc première étape, s'évader de prison, hein, bien évidemment. Hein. Alors pour s'évader de prison, on doit fouiller les petites caisses, hein, les petites poubelles qui traînent. Hein. Ça, vous le savez, c'est l'accoutumée sur ce jeu. Alors, la cuillère. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? J'avoue, j'aimerais bien m'évader avec autre chose que la cuillère. Ah, une corde. Eh bah, parti, les gens. C'est parti, c'est parti. Alors, le casino est braquable. Je sais pas si on va avoir le temps d'y aller avant qu'il soit retiré. On va tenter, hein. Allez, c'est parti, on s'évade. Alors, on va prendre le bateau. Hop, allez, c'est parti. Ah, quoi que non, j'ai le jet. Allez, c'est parti, on va à la base criminelle. C'est parti, c'est par là. On y va, on y va, on y va. Tranquille, tranquille, les gens. Le jet, c'est qui fait un bouton du diable, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Ouais. Allez, 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 allez. Hello, hello, hello. Ah voilà, j'ai baissé un peu le son parce que c'est vrai que c'est très très bruyant, on va dire. Alors, vous avez vu, purée, comment c'est glacé et tout. Enfin, l'ambiance est pas du tout la même qu'avant, c'est un truc de malade. J'en reviens pas qu'ils aient fait ces changements-là sur le jeu. Alors, la base criminelle, normalement, elle est par là, hein. Je suis pas folle, hein. J'espère. On va chercher un flingue, histoire de pouvoir aller au casino. On va vous montrer comment on a le jetpack, quoi. Allez, c'est parti. Allez, copains. Pas comme cochon, comme on dit. Il n'y a pas le bateau, donc il n'y a pas d'argent à se faire. Donc, déjà, ça c'est des trucs dommage. Hop, allez, 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 Léo. C'est parti. J'adore, j'adore, mais vraiment Mad City. Et bon, on a mal atterri. Mais il y a de plus en plus de trucs. Il y a des mises à jour constantes en fait. Donc là, ils ont ajouté une fonctionnalité à la pyramide de la saison 2. Le truc violet qui est un peu au centre, maintenant on sait à quoi ça sert. Donc le prochain épisode, je vais vous montrer justement, là vous voyez, il y a du fuel qu'il faut remplir, donc là il est à 27%. On va essayer dans le prochain épisode de trouver une partie où on peut aider à remplir facilement. Bon, il y a pas mal de joueurs en ligne, j'ai l'impression. Surtout des casse-noisettes, j'ai envie de dire, qui cognent partout et qui tirent partout, là. Qui vont me gonfler, clairement. Je vois pas l'intérêt de tirer partout comme ça, mais bon. Why not, j'ai envie de dire. Alors c'est parti, on va aller au casino. Allez, allez, l'eau. On y va, on y va, on y va, les amis. C'est parti, c'est parti. On est ready. Je suis chaud. J'ai envie d'y aller. Et j'ai envie d'avoir ce fichu jetpack. Non. Je vais vachement faire spawn un bateau ici. Allez, l'eau. What? Pourquoi ma moto s'est allongée, les gens? What the fuck? Alors, dans les bugs roadblock, je dis bonjour à la moto. Oup, oup, oup. Elle se redresse pas. Bon, très bien. On va rappeler la moto, hein, écoutez. Hein. Alors, Dirty. Pourquoi Dirty? What the fuck? Mais hey, c'est chelou, non, les bugs, là. Non, mais c'est pas vrai. Dès que je roule avec ma moto, elle s'allonge. What the fuck? What the fuck? La voiture, elle aura pas de problème. Et bah, le temps que je règle les problèmes de véhicule, la discothèque n'est plus braquable. Et bah, la banque est braquable, donc c'est parti, on y va. J'ai pas compris ce qui s'est passé avec la moto, je vous avoue, là. C'était une énigme. Alors. On va prendre l'arme, hein. Hé, il est tout rouge, le mec. Il est tout rouge. Mais chelou, non? Hop, alors on va braquer ça. Et après, il va falloir que je patiente pour avoir le casino braquable. Alors là, ça va être un petit peu galère, mais bon. Il faut. Hein. Hop, on va se faire un petit peu de oseille, de monnaie. Ça va faire du bien. Ah, c'est là que ça me manque quand je joue à Roblox de pas être avec mon petit Yaya. C'est compliqué d'être sans mon petit Yaya en vidéo, vous voyez. Surtout sur du Roblox où
Ah bah dommage, on n'a pas eu assez de temps pour avoir tout l'argent. Donc, je repasse à la base criminelle, je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous mettre sous la dent, les amis. Oh, les amis, regardez, il y a un super-héros à tuer. Regardez-moi ça. Bon, on l'a tué les amis, mais rien drop. Bon, c'est pas grave, tant pis. Alors, c'est parti, je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous mettre sous la dent. Alors, c'est parti les amis, le casino est braquable, donc on y va. On entend des coups de fusil, donc je ne sais pas ce que ça présage. C'est rien, c'est pour dissuader. Ou est-ce qu'il y a des méchants? Enfin, des méchants. Des gens qui font respecter la loi, plutôt, on va dire. Hop, alors, on saute les amis. Non, il va juste dissuader en balançant des bombes dans tous les sens, comme d'hab. J'ai jamais compris leur délire de balancer des bombes dans tous les sens, je vous avoue. Regardez le gars, comment il s'amuse. J'ai compris, tu fais juste avec tes bombes. Alors là, il danse, regardez. On va faire la wave. Regardez. Hop. Bah, elle a fait... Elle fait la wave. On va faire la danse, regardez. Bon allez, on arrête les conneries. On a le pognon. Oula. Et pourquoi j'ai du lag? Hello, tu ne sais plus sauter. Comme d'hab. Les gens, Hello ne sait plus sauter. Ouais, on va sortir par là, c'est parti. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Allez, c'est parti. Alors, on s'est fait 4000. Donc ce qui est plutôt cool en vrai. Allez, Hello. En fonction de votre angle de vue, vous êtes coincé, donc faites gaffe. Ça m'arrive assez souvent de me coincer dans ce truc. C'est vraiment compliqué. Du coup, là, il faut éviter les lasers au sol. Hop, on va prendre l'ascenseur. On a eu chaud, on a eu chaud, on a eu chaud au fût. Alors, tac. Allez, c'est parti. Descends-nous. Allez! L'ascenseur, il s'ouvre 10 ans plus tard, vous savez, c'est n'importe quoi. Allez, go, 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 go. Yes, on va pouvoir s'évader. Faisons Prison Break, les amis. J'ai pas le temps. Je sais pas si vous connaissez cette série. La musique a été géniale. Pas le choix contre les contre-sorts. Pas le temps. Non, faut que j'arrête de chanter. J'ai la chanson grave en tête, les gens. J'aurais même jamais dû sortir ça. Alors, le casino n'est toujours pas braquable, écoutez. Bah écoutez. Enfin, le casino, pardon, la discothèque. Donc, on a braqué la banque, le casino. La bijouterie, on l'a pas encore braqué. Donc, bah, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose à regarder. Alors, c'est parti, les amis. Le casino, non, la discothèque est braquable. Décidément, j'ai un problème avec le casino. Donc, il faut qu'on regarde en gros sur le tableau de bord du DJ les couleurs. Donc, rouge, vert, bleu, rouge. Alors, rouge, vert, bleu, rouge. Ok. C'est parti. Allez, grimpez l'eau. Oups, on a perdu un peu de vie. Fais gaffe. Allez, faut éviter les lasers le plus possible. Alors. Rouge, vert, bleu et rouge. Et vous voyez, ça vous fait un truc vert. Donc là c'est parti, il va falloir faire le... Faire tout ça, le petit parcours. Faut faire attention à votre vie, surtout les gens. Je suis désolée, je... Faut régénérer un peu les PV. Alors là c'est pareil, il faut faire attention aux lumières qui sont sur le sol. C'est pareil, c'est des lasers. Donc vous voyez là-bas, il y a la petite cahute où il faut retirer la carte. Hop, c'est ici. Et vous pouvez faire ça, peu importe votre rôle. Alors donc, je disais, que vous soyez policier, super-héros ou criminel, vous pouvez aller retirer le jetpack. Il n'y a pas de souci, vous voyez. Parce qu'en gros, ça permet quand vous êtes super-héros de pouvoir avoir un pistolet aussi, quoi. Et de voler. Et c'est plutôt pratique. Parce que les super-héros vont pas super vite au final. Donc c'est un peu dommage. Donc on a les 6000. Donc... on va attendre. Je vais attendre. Allez, on va essayer de descendre.
C'est parti, on y va. Hop, hop, les lasers à la Schtroumpf. On descend, les amis. J'aime pas le laser en vrai. Je déteste ce laser. Il est beaucoup trop rapide. Oh là, le mec. Hop, on s'allonge. Fais attention au PV. Hop. Voilà, on va s'évader par là, regardez. Il y a une petite trappe. Donc on la prend, on la saisit et on se taille. Hop, et on a réatterri ici. Donc c'est parti. Je passe. On va passer à la base criminelle déposer l'argent. Et après, on va aller à l'aéroport pour aller retirer le jetpack. On va essayer de pas mourir en sortant. Ça serait cool. On va s'armer de ça d'ailleurs. Hop, allez, c'est parti. Alors on y va. J'espère qu'on va pas avoir de soucis, les amis, et que direct on va pouvoir aller chercher le jetpack. Ah bah oui, il n'y a même pas de prise de policier. What the fuck? C'est ma voiture? Ouais, c'est ma voiture, c'est bon. Alors, c'est parti. Donc, on va déposer l'argent. Je vais remettre le son. C'est un qui a mis de la musique et elle était horrible. Alors, du coup, je vais couper le son. Hop, c'est parti. On va déposer tout ça à la base criminelle. Et après, go l'aéroport, les amis. Ça va être juste nickel chrome. Ça va être trop, trop bien. Hello, la base criminelle, c'était là-bas. Il aurait fallu que tu tournes. Hop, la Hello qui oublie un peu le chemin. Hop, hop. Hop, c'est parti, on va déposer ça. Oh, on va peut-être même passer au rang suivant du coup. On va voir, on va voir, on va voir. On est presque au rang 21. Yes! Alors, c'est parti. Donc, les amis, on va prendre l'avion direct. Hop, j'ai un avion, donc je vais en profiter, je vais le prendre. Je suis pas une pro, je vous le dis tout de suite. Hop, plane. Alors, pour conduire l'avion, c'est vraiment vous appuyez sur votre touche pour avancer en même temps sur E. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut la place en gros pour qu'il puisse. Donc, il faut qu'on aille à l'aéroport qui est par là, à côté de la prison. Hop, donc c'est parti, on va par là. Donc, vous voyez, elle est là-bas en face. C'est le bâtiment bleu qui est là-bas. Donc, on y va. Rapidou, rapidou. Hein, d'accord. Donc, là, apparemment, le bateau est en train d'arriver au port, mais tant pis. Hein, on n'était pas là pour ça, nous. Allez, l'eau, c'est parti. Donc, le prochain épisode, on verra comment, comment avoir le boss quoi qu'ils ont créé sur Mad City. Et l'épisode d'après, je pense qu'on ira voir la pyramide, les amis. Parce que vraiment, il y a du potentiel dans le jeu, il y a plein de trucs et c'est juste extra, quoi. Donc voilà, S pour descendre, E pour pouvoir vous surélever. Enfin, Z, pardon. Et E, ça vous permet d'atterrir et tout ça. Alors c'est parti, on y va, on va à l'aéroport. Et on va voir notre jetpack, les amis, ça va être trop cool. Trop cool. Bah attends, Hello, t'es pas au bon endroit? Oh les amis, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh Hello, qu'est-ce que t'as foutu? Attends, c'est là l'aéroport, je suis pas dingue. C'est à côté de ce bâtiment-là. Oh là là. Eh, je suis pas dingue encore quand même, j'espère. Ah, si c'est bien là les gens. Voilà, un petit moment de panique de ma part. Alors, hop. Donc là, dans l'aéroport, bon, on peut braquer le distri là. Hop, l'ATM. On peut récupérer les valises. Ça vous permet de faire pas mal d'argent assez facilement en vrai. Et c'est plutôt cool. Regardez, 500 par valise. On se fait 2500 là, rien qu'en faisant les valises. C'est ouf quoi. Ah, j'ai pas assez. Ouais, il me faut 200 000 je crois pour customiser mon arme. Alors, j'ai envie de customiser toutes mes armes en mermaidian là, le truc là. La customisation. Je sais pas comment ça se dit, mais bon. Je pense que vous verrez un peu le délire si vous connaissez un minimum le jeu. Donc il y a le pognon ramassé là, donc on va le prendre aussi. Il n'y a pas de fausses économies. Voilà. On se fait pas mal d'oseille. Hop, allez, moi je prends les raccourcis. Hop, on prend la carte. Tadam! On s'équipe du jetpack. On peut ressortir par là. Vous appuyez sur espace et hop, vous volez. Je vous avoue que pour le moment, ils n'ont pas encore ajouté l'utilité du vaisseau spatial qui est là-haut. Donc j'ai hâte de savoir comment ça marche ce truc. Parce que vraiment, je serais bien curieuse de. Bien curieuse ouais, de le savoir. Et on va aller dans la base des super-héros, attendez. On va aller se marrer un peu. Maintenant, il n'y a personne, je crois. Ah, si, il y a quelques super-héros. On y va, allez. C'est parti.
Allez, on y va les amis. On va essayer de se faire ça. Alors, pour rentrer par la base des super-héros, faut passer par l'eau. Ouais, c'est ça, par l'eau. Sur le côté de la... du lac. Ensuite, on peut pas placer un lac, je pense que c'est carrément un océan autour. Si vous appuyez sur l'espace, bah, ça désactive votre jetpack, bien évidemment. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. On va pas se mentir. Alors, par où on passe déjà? Là, j'ai touché la roue, donc automatiquement, c'est normal que le jetpack se soit désactivé. Alors, c'est où l'entrée déjà? J'étais complètement zappé, je vous avoue, il y a longtemps que je suis pas rentré dans la base criminelle. La base super-héros, pardon. Comme d'hab. Ah bah, c'est là. On va peut-être se faire démolir la tête, hein, déjà. Je suis pas une pro. Oup, 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 oup. Oula. Je suis glitch, là. Ça ne va plus. Les gens qui arrivent pour. Oups. Ah mince, il a pas de dégâts. Regardez-moi ça. Yes, on l'a eu. Ah, par contre, on n'a pas eu son pouvoir. Dommage. Alors, on se barre avant que l'autre, ils veulent nous tuer. Parce que je sais pas quel pouvoir il va prendre. Est-ce qu'on peut sortir en étant, étant criminel de là-bas? Non, ça détecte que la présence supérieure. Il faut qu'on ressorte par là-bas. Eh bah, moi, je vais vous dire, on a fait le deal, hein. On a fait le deal. On a été chercher le jetpack. Je vous ai montré 2-3 braquages, je crois. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Regardez-nous comment on est pimp avec notre petit jetpack. Je vous laisse pour cet épisode. J'espère que je vous aurai appris quelque chose. Ou du moins diverti. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao à tous.